L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie pour nous préparer au cas où elle reviendrait avec plus de force. Les Français qui partent en vacances, ils ont besoin de vacances. Il y a une chose qu'ils ne doivent pas oublier, ce sont les gestes barrières. Ils ne doivent pas oublier le fait que le virus circule. Comme j'ai l'habitude de le dire, le virus n'est pas en vacances, nous non plus. D'abord, nous traquons le virus, que deux, nous le surveillons, que nous allons chercher partout où il est. Depuis 2 semaines environ, la situation épidémiologique que nous surveillons de très près évolue en effet dans le mauvais sens. Vivre avec le virus. Le virus, oui, il est là. Donc nous devons prendre des mesures, nous en avons encore pris hier en Conseil de défense, nous ne baissons pas la garde. Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidémie. Des plans de reconfinement, c'est-à-dire des mesures plus lourdes encore, sont prêts. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague.